mais j'ai un client qui, pour le moment, nie les faits. Il a des accents de sincérité, il collabore avec les forces de police. En tout cas, il n'y a pas de témoin visuel et qu'il a pu en tout cas avoir un contact avec les victimes, en tout cas celles qui sont certainement pour le moment des victimes en tout cas d'enlèvement et d'arrestation arbitraire. Bon, ben voilà, donc je crois qu'il faut laisser l'enquête évoluer le plus vite possible. Je crains qu'effectivement le développement médiatique de cette affaire n'empêche une quelque sérénité. Je sais aussi que mon client est catalogué effectivement de psychopathe. Il a bien sûr un casier judiciaire, mais est-ce que ça suffit évidemment pour dire que c'est lui l'auteur? Il est un suspect, il était témoin auparavant, donc il faut laisser vraiment l'instruction se faire au plus vite. On est en train de fouiller et dans le necrosearch il y a plusieurs, je vais dire, niveaux. Il y a des fouilles non destructives, il y a des fouilles destructives. On vient de commencer les fouilles, on est en train de prendre les photos nécessaires, le labo est en train de faire son travail maintenant. Gracias.